Alors déjà, bonjour à tous, c'est Madvanaf et on se retrouve sur ETS2 pour une nouvelle petite promenade ou un nouveau trajet en camion. Donc j'ai du coup pris une petite mission, alors c'est des rouleaux de film plastique. Donc on va de... Du coup, on part de Bremen et on va jusqu'à Schelmsmoor. Donc si on peut voir sur la carte, ça sera encore mieux. Donc du coup, Schelmsmoor, normalement, c'est en... Angleterre. Donc du coup, on va passer par Johannesburg, Rotterdam pour prendre le bateau, Felixstowe, non même pas, je crois que c'est à Felixstowe le bateau, mais bon. Et après Chelmsford, non, Fort Chelmsford, ouais bon d'accord, t'essayes pas là-dessus, ça sert à rien. Donc du coup, on va tout de suite commencer par démarrer le camion. Donc, du coup, moi j'ai mis en démarrage manuel. Du coup, si je cale, et eh ben tant pis pour moi. Allez, c'est parti. On y va, on se lance et on évite de faire des accidents tout le temps. Du moins sur les autoroutes et tous ces trucs-là, là. Donc on sort tranquillement d'ici et puis on verra. Alors, du coup, il faut aller par la droite d'abord pour commencer. Et après, à gauche au feu, d'ailleurs on peut y aller tout de suite. C'est parti. Allez, on y va. Du coup, il nous reste normalement... On doit parcourir combien de kilomètres là? 691 km, sachant qu'il y a le bateau en plus. Donc du coup, normalement, ça dure moins longtemps. Ça dure pas trop longtemps. Ah, j'ai vraiment de la chance. Ça y est. Donc faut pas que je passe, que je relâche trop vite l'embrayage. Ou du moins que j'accélère trop vite, parce que sinon bah, ça fait en fait une alarme qui me dit que bah, je suis en train de ruiner ma boîte de vitesse. Donc on fait gaffe à ça. Ou du moins l'embrayage, je pense. Bon. On va attendre que le feu repasse au vert, tout simplement. Bah, qu'il passe au vert. Hop là. Merde. C'est où qu'on tourne? C'est là. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas la bonne, carte sur sur ma tablette. Parce qu'en fait, l'application que j'ai pris là, hein, que j'ai depuis quelques temps déjà maintenant, pour avoir en fait les indications du jeu sur ma tablette, et bah tout simplement zut. Et ben maintenant j'ai une carte, en fait j'ai une sorte de skin pour modifier en fait, pour mettre dans l'application. Et ce skin, voilà, ce qui va se passer, c'est que tout simplement j'ai pas la bonne, en fait j'ai pas la carte pro mode, j'ai la carte d'origine. Donc du coup c'est pas au niveau correspondance en fait des routes, ça va pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Surtout que la promode, en fait, ils ont refait les routes. Donc du coup, c'est pas pareil qu'à l'origine. Donc c'est un peu voilà, c'est pas du tout pareil quoi. Bon, tant pis, on va faire avec. Hein. Écoutez, on va y aller. Donc du coup, on va prendre la voie express ici. Donc 60, non, on va passer à 80. Non. Il va me laisser passer lui. Oui, bah, tu peux accélérer, tu peux passer la vitesse hein, si tu veux aussi. Ça sera plus pratique. Sinon, ton camion va souffrir. Bon, bref. Allez, on sort là déjà. Mais purée. C'est rapide tout ça. Alors j'enlève le mode neige hein, parce que tout simplement,
ça m'énervait un peu de glisser. Et puis là, bon, il fait bon maintenant. Du moins de mon côté, donc. Mais je crois que je l'ai laissé parce que il me semble qu'il y a encore un peu de neige sur le côté. Bon, allez, bref. On y va. 80 pour les camions, sinon c'est 120. Pour les voitures. Mais passe ta vitesse, mon sang, tu vois pas que tu. Tu montes trop vite, tu montes trop dans les tours, mon gars. Je parle, mais en même temps, je regarde même pas mon compteur pour savoir si je suis. Par contre, c'est 80. Hein. Oh purée. Alors, ça, c'est tout moi, tout craché. Mais comment je vais faire demi-tour, moi? Bah, si, par là. Non, on peut pas, c'est une voie express. Oh, fait chier. Putain. Eh merde. Bah du coup voilà, j'ai perdu du temps, ça y est, c'est parti. Eh ben super. On va bien avancer encore. Heureusement que ça m'arrive pas tout le temps non plus de me tromper de route. Mais bon, c'est quand même assez fort de ma part. Il y aura peut-être moyen de... Non ? De sortir. Trop préoccupé à changer, à paramétrer la vitesse du régulateur, tellement que c'est pour ça en fait. C'est à cause de ça que j'ai perdu mon temps. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'y remédier très vite à ça. Hein. On verra. Si on trouve un moment pour tout simplement revenir sur la bonne route, parce que là on est très clairement. Ah, mais là c'est le. Oh putain. Oh, n'importe quoi. Bon, bah. Et c'est pas sûr que ça nous emmerde. Hein. Parce que si je passe. Attendez. Par là. Ça nous raccourcit. En passant par là, du coup, on passera par Zoll. Amsterdam. Ouais. Bon, bah, on va mettre ça. C'est tout. Et puis voilà. Hein. Ça va même plus vite de passer par là. Bon, bah, écoutez. Belle intuition de ma part. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. Du coup, on se plante un petit peu de route, mais en même temps, ça raccourcit un petit peu, donc c'est bon. Bon. Ok. Alors, du coup, donc normalement, début février, donc on a dit, il y a du ATS qui arrive, donc il y a American Truck qui arrive. Le 3 février. Normalement, fin de ce mois-ci, il y a une mise à jour de Car Mécanique Simulator 2015. Alors, je sais pas quand elle va sortir, ça là aussi. Ça commence à m'énerver un petit peu. Surtout, il y a un nouveau DLC qui va sortir en même temps que le nouveau patch. Donc, le DLC, c'est le DLC Mercedes-Benz qui, du coup, permettra d'avoir une classique, je crois, une Mercedes classique et une Mercedes moderne. Donc on verra.
quand ça sortira. Normalement, c'est la fin du mois, je pense que ça va être sorti, donc ça sera cette semaine. Du courant cette semaine, je pense. En fin de semaine, bah là on est déjà jeudi, donc ouais, ce sera vers samedi, peut-être, on verra. Donc normalement, pour j'espère pour le prochain épisode qu'on aura au moins le dernier patch avec tout simplement le nouveau DLC sur carte mécanique. Sinon farming, bah rien de plus, j'ai toujours mon serveur, donc pour ceux qui veulent venir, il y a la page Facebook Braze Farming 29, donc qui permet de s'inscrire tout simplement pour vous proposer de venir sur mon serveur, et puis après si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, hein, de toute manière mon serveur est ouvert tous les jours, tout le temps quasiment, H24, parce que de toute manière c'est un serveur, donc il reste allumé tout le temps, c'est un serveur Very Game du coup. Après, ensuite, ben c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté? Si, après, il y aurait en mars, du coup, il y aura la sortie du nouveau jeu de bus, Bus Simulator 2016. Et bien sûr, la tant attendue sortie aussi de Roller Coaster Tycoon World, que j'attends impatiemment. Et ben, dès qu'il sort, moi, c'est clair qu'il sera installé sur mon PC. Alors après, au niveau sortie, il n'y a rien d'autre. Ben, au niveau simulation, c'est vrai que bon, après, il n'y a pas énormément de jeux de simulation. Ben, il n'y a pas un peu moins de jeux de simulation que d'autres jeux. Quoique ça commence à... Il y en a quand même quelques-uns, quoi. Il y en a des bons quand même. Vaut mieux qu'il y ait très peu, mais qu'il y ait des bons jeux. Comme ça, au moins, on est sûr de pouvoir d'avoir des bons... gameplay, quoi, au moins c'est super. Bon, après voilà. Alors, après, au niveau jeu, et B, alors, si bah, sur console, c'est vrai, quand même, au niveau simulation, il n'y a rien. Les seuls jeux qui est en simulation, par exemple sur PlayStation Vita, c'est ben, Farming 16, quoi, qui est nouveau, mais qui est bien pour ce style de console, quoi. Bon, pour du moins au niveau qualité, quoi, au niveau qualité graphique, tout ça, pour la console, c'est très bien pour les jeux de quand tu te promènes, quand tu vas en vacances, en voiture, bref, que tu n'as pas envie de t'ennuyer. Ça peut rester bien. Il est même sur tablette. Il y a quelques mois de ça. Et bien, il est sorti aussi sur du coup sur le Windows Store. Du coup, on peut l'avoir sur PC par le Windows Store, mais aussi sur Windows Phone. Ensuite. Non, on continue, je pense. Ouais. On passe par. Ouais. D'accord. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a aussi sur console. Alors sur PS, du moins sur les consoles de salon, ben, il y a Farming 15, bien sûr, avec plein de nouveaux DLC. Est-ce que je m'arrête au garage pour l'acheter? Non. Allez, maintiens ton embrayage, ce sera plus simple. Oh! Aïe. Oh, fait chier. Bah, tant pis. Allez, on avance, c'est bon, ça commence à. Non, c'est tout droit qu'il faut aller.
Bon, là je vais attendre que le feu repasse au vert quand même. Allez, on relâche, on remet aux positions neutres et puis on relâche l'embrayage et puis c'est bon. Et puis après on repartira. Allez. Je vais mettre un peu d'air. Hop là. Bon. Alors après, du coup, par la nouveauté, il n'y a pas grand chose en ce moment, à part ça. Niveau simulation, hein, parce que moi je parle que de ça, admire les autres jeux. Bon, il m'arrive de jouer de temps en temps à d'autres jeux, mais... Oh Mais bon, la plupart du temps, je joue quand même à des jeux de simulation. Bref. Par contre, on va faire gaffe. On sort ici. Hop là. Alors... un petit il faudrait que je pense à utiliser plutôt le ralentisseur sur le ralentisseur hydraulique parce que sinon c'est chiant quoi. Putain chaud, il vient de repasser. Voilà. Non, j'aurais dû passer en... Aïe. Si c'est par là. Hop là, orange, super mat. Allez, c'est reparti. Et cette fois-ci, on se groupe pas de route. N'est-ce pas? C'est toujours 50. Mais ça y est, ça va passer à 80. C'est parti. Alors, du coup, direction l'Angleterre. On se remet à 80 tranquille, pépère. L'essence c'est bon, normalement dormir, non ça devrait aller. Il nous reste 13h27. Non. 6h avant de dormir, mais je pense que là il y a le bateau bientôt. Donc normalement ça devrait être bon. Ouais, j'espère. Le bateau. Le bateau, le bateau. On a le temps encore. Eh ben écoutez, on va rouler et puis c'est tout. Et puis quand on arrivera, on arrivera. Sachant que comme on prend le bateau, logiquement, ben ce sera bon. On dormira pas parce qu'on dormira sur le bateau en fait. Donc du coup, on n'aura pas besoin de s'arrêter à une aire. Alors si jamais on arrive à temps, ben, ça veut dire que si jamais on n'a pas besoin de dormir avant d'arriver au bateau, c'est bon. Parce que sinon, c'est la merde. Ben, on verra. On verra, on avance toujours et puis on verra plus tard. Alors ici, pourquoi il nous fait passer par là lui? Il est con. On peut aller tout droit. Ouais, bah oui. Juste enlever celui-là parce que sinon ça va me faire... Voilà, c'est ça en fait qui me faisait merder.
Mon trajet, non, non, c'est tout droit qu'on va en fait. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors. Là par contre ça roule. Et par contre je trouve que je lag un petit peu au niveau du jeu alors que pourtant il n'y a rien de... Putain mais ils sont cons. Heureusement que je sais que j'ai un volant pour rattraper ça quand même. On sort là ou pas? Bah à mon avis oui mais bon. Ils nous font passer par des endroits mais par des trucs mais complètement cons. Je vois pas pourquoi je suis descendu en fait. Faudrait que je réfléchisse un peu plus quand même. Tiens, comme par hasard, on retrouve le camion de tout à l'heure. Super, qu'on a doublé. Oh putain. Putain, mais les gens... C'est pas sérieux. Merci. Allez, on remonte tranquillement et cette fois-ci c'est bon. On fait attention juste par là où on doit passer quand même parce que sinon ça n'ira pas. Après je suis pour une nouveauté de toute manière, je n'attends pas trop d'autres choses en nouveauté. Bah du coup en vidéo voilà il y aura des nouveautés. Là il y aura juste sur Car Mécanique il y aura un nouveau mode, un nouveau DLC plus un nouveau du coup une nouvelle version du jeu. Ça on verra quand elle sortira pour le prochain épisode, je l'espère. Ensuite qu'est-ce que j'en attends, on attend aussi du coup ATS, autrement dit American Truck, qui doit arriver courant donc, début février, donc le 3 février. Donc ça il y aura des vidéos dessus, alors je mettrai en plus de Road Truck, je pense que je ferai bah, si jamais, non si jamais non. Je sais pas en fait, je fais Road Truck faudra voir, mais pourquoi faire les deux, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Utilise ton régulateur, ça sera ton ralentisseur sur hydraulique parce que sinon ça sera bien plus simple et bien plus pratique. Oh, allez, vas-y. Je parie qu'il y a un camion devant. Putain, mais ils sont vraiment cons. Eh, c'est 80 ici, c'est pas, il faut pas freiner comme ça, comme des cons. Hein. Putain, ça c'est l'IA, vraiment. Des fois, je sais pas, ils ont des réactions bizarres. Les véhicules de l'IA de ETS, putain, ils freinent pour un rien. Normalement là on est à côté d'Amsterdam. Combien d'heures de 5 heures qui nous reste avant de dormir? J'aurais dû m'arrêter là. Le seul problème c'est qu'on va se faire avoir au niveau du temps après. Parce qu'on est que là. Et après il faut... Oh, je vais être obligé de dormir, moi. Oh, vache. J'aurais dû m'arrêter là. Et bah, tant pis.
Je vais m'en vouloir de pas avoir, de pas être arrêté là. Merde, 70. Hop là, on remonte à 80. C'est super chiant le change, quand on doit changer vachement de vitesse sur ce jeu. Bon, bah on y va. Alors soit on a le temps d'arriver jusqu'au bateau et dans ce cas-là c'est bon. Soit j'ai pas du tout le temps avant de dormir, ou alors là c'est pas bon du tout. On avance quand même pas mal. On avance quand même pas mal. Au niveau de la vitesse, ça va. Alors peut-être qu'on aura le temps. À voir. Ok. Du coup. Au niveau des vidéos, qu'est-ce que je peux dire de plus? Mis à part ça, rien de plus. Si ce n'est que j'attends toujours, j'attends vraiment ces cartes mécaniques, ça c'est clair. Pour voir qu'est-ce qu'ils nous ont mis en nouveauté. Que ce soit au niveau du patch ou au niveau des DLC, du DLC. Et en plus, il y a un autre DLC avec, c'est le. Un quart de miles en fait, comme il y avait dans Car Mechanic Simulator 2014, c'est à dire qu'il faudra mettre augmenter en fait la puissance de la voiture pour que pour sans doute avoir un meilleur temps ou les trucs comme ça. Je pense que ça va être pas mal ça aussi, ou autrement dit faire du chip tuning aussi je pense. Alors je sais pas comment ça va se passer, on verra ce qu'ils vont nous mettre, et je pense que le chip tuning sera à l'extérieur du garage, on verra. Alors je sais pas du tout ce que ça va être, je sais qu'on pourra aussi changer la taille des roues, donc autrement dit la taille des jantes. C'est ce qu'ils mettent après, bon voilà. Ouais, oh, oh, oh. Hey, dis donc. Bref, non mais sinon voilà quoi, j'attends beaucoup sur ce jeu, sinon j'attends beaucoup aussi. ATS, ça c'est clair, j'attends pour voir, mais je pense qu'on ça sera bien, je pense qu'il sera bien, il sera du même niveau que TS déjà, ça c'est clair, au niveau niveau rendu, niveau qualité quoi. Après ce sera aux États-Unis, mais bon ça sera toujours bien avec les gros camions, donc ça sera un peu plus. Ça sera différent quoi, ça sera un autre. Ça sera le même type de jeu mais différent. De par ça déjà l'environnement et les camions. Voilà. Donc on verra, j'ai hâte d'y jouer. Ça arrive le mois prochain, début février, donc le 3 février, comme tout le monde le sait. Sinon moi sur farming, rien de plus. J'attends toujours des gens pour remplir un peu mon serveur. Alors du coup j'ai mis 6 personnes parce que je trouve que trop après c'est un peu limite. Puis bon quand on est trop après bon, pour savoir que faire, qui est où, avoir tous les véhicules qu'il faut, c'est la galère. Alors que j'ai une map, je crois que j'ai trouvé une map et il y a déjà des véhicules, il y a pas mal de véhicules dès le début, donc on peut faire quasiment tout. Il y a même les outils pour le bois, donc on va dire c'est une map. Hey, vous savez quoi? On n'a pas besoin de dormir. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bateau. Et bah tant mieux. Il nous reste 4 heures. Bon, très bien. Allez, c'est bon, c'est loché. Ouais, il y a l'embarcadère. Ok, très bien, c'est super.
Ah, j'étais trop rapide, c'est ça? Yeah. Non, il y a même un truc... C'est bien ça. Bah. Allez, on va prendre le bateau et comme ça on va pouvoir dormir tranquillement. Europort découverte. Ah d'accord. Ça c'est une ville ça. Eh bah c'est joli. C'est pas une ville mais bon c'est pas grave. Wow 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 wow. Non il n'y a pas besoin de tout le temps. On suit la route pour l'instant. Allez. On va sur le pont du bateau. Tac, du coup, bah je crois que c'est où? Non, c'est Hardwich qu'il faut aller. Embarquement. C'est bon, on est arrivé. Allez. Donc du coup, on est toujours de Bremen jusqu'à Schemford. On a dormi, donc plus besoin de dormir. Qui c'est qui m'appelle? Attendez, bah du coup on se retrouve du coup demain pour du farming. Allez, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Ciao ciao et à demain.